Salut tout le monde, c'est Aliolia, bienvenue sur Aliolia Passion Gaming. Aujourd'hui, petite vidéo sur Phantom Dust. Phantom Dust, c'est un jeu sorti initialement sur la première Xbox, un jeu auquel je n'ai jamais joué, un jeu que je ne connaissais pas, un jeu que Phil Spencer adore, un jeu que nous voilà donc maintenant dessus, tout de suite. Un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il a été présenté, enfin il y a eu une suite de présentés avec un trailer CG dont le développeur qui était en charge du jeu n'était pas au courant, blabla, bref, du coup le studio a été fermé, Microsoft a retiré la licence du studio, le studio a été fermé et ils ont décidé de faire un remastered. Bref. Donc, du coup, pour tout ça pour dire que je n'ai jamais joué à ce jeu-là, que je ne connais pas du tout le gameplay. On nous parle de card game, gameplay dans le style des jeux de cartes en arène. Et donc, bon, on va voir tout ça tout de suite. Qu'est-ce ici ? On a besoin de votre autorisation pour se connecter au Xbox Live. Oui, monsieur. Hey, il m'a connecté. Donc le jeu est gratuit. Uplayer. Comment Uplayer. Ah, le son a l'air d'être resté dans son jus, ça. Option mode, qu'est-ce qu'on nous propose, les détails. Bon, tout est resté en anglais. Bref, c'est dommage, le jeu est gratuit, on va pas se faire... On va pas pleurer, n'est-ce pas? Et je vous laisse là. Remembers anything. Not when the world changed. Nor why. A mysterious dust poisoned the surface, affecting the brains of humans and stealing their memories. Strange apparitions began to appear. Humans fled their devastated cities. Only underground could humans escape the demons and the dust. It gave something new. The ability to transform their will into energy. This is a new breed. The Espers risk their lives searching the surface world for clues. On the surface that might let us recover the memories we've lost. Thank you.
Voilà, une intro qui est restée dans son jus, bien que... ça... Ah, c'est pas fini. I must go. Voilà. Chapter 1, Man with Amnesia. Donc voilà, donc c'est un remaster, tout ce qu'il y a de plus classique, avec très peu d'ajouts. Après, j'ai pas en tête la technique de la version Xbox, donc du coup, je pourrais pas trop comparer. Who am I? And what is this place? Hey, tell me. What, you lost your memory too? Shit. What the hell is going on? Je fais l'américain, yeah. Et bah maintenant, ça nous est... Finally woken up, I see. Were you the one that brought us here? Why don't you tell us what happened? You've no memory at all, is that right? Just an image of some ancient ruins. And a strange gut feeling that you have to go there. But how did you know that? Everybody's the same, all of us. Now you. Please, follow me. I'll explain everything once we arrive. Just like I told you. None of us remembers anything. We live in this world we don't understand, with people without memories wandering around, with monsters roaming the surface and these strange particles and paranormal skills. I see. This place is like the lost and found counter at a catastrophe discount store. So, we're lost sheep with no memory. Just like you. There is one difference. The two of you were found in strange metal pods. But Leader says we are all lost souls. All we have left is this underground world. And our scraps of memories and the image of the ruins in our heads. Ruins. The image I saw in my dream. Leader says that the fact we all share the same image must be more than mere coincidence.
He's right, I think. And so we are systematically searching the surface world for the ruins. We hope you can help with that search as well. Are you saying you want us to join the Visions? We are very short-handed. Especially when it comes to people with skills. But I am haunted by the ruins. Now give it some thought. Such a generous man is our leader. Leader says, Edgar, take your time. You don't mind us calling you Edgar, do you? We saw your locket, too. You care about the woman in the photograph, don't you? Perhaps helping us will lead you to find her. And you. We should find a name for you as well. You need a name even if you don't have memories. Just pick a name that sounds good to you, and we'll call you that. Everyone picks their names here. Or perhaps you're one of the lucky ones who remembers his real name? Voilà, donc on a enfin fini l'introduction, donc on joue le rôle de Alpha, du coup, qui a perdu la mémoire comme tout le monde. Alors, déjà, on voit que la résolution a dû être augmentée, parce que c'est relativement lisse. Ils ont dû rajouter des effets de lumière, etc., des effets de reflets, etc. Donc bon, ça reste un remaster d'un jeu premier Xbox, quoi, donc faut pas non plus s'attendre à beaucoup. Alors. Je suis pas un grand fan du chara-design, hein. Ils ont quand même des sales gueules, les deux héros là. Edgar. Nous apprendre le système de combat. Donc c'est un jeu en arène, hein, qui s'apparente à un jeu de cartes, ce que j'ai pu trouver un peu de partout. Select mission. Le palace. To the surface.
Windmeister Approval, ok, d'accord, ouais. Hop, hop, hop. On confirme tout ça. Partner has already been selected for the mission. What? Windmeister. Ok, on y va, voilà. Donc on va à la surface, il va nous apprendre le système de combat. Vous pouvoir regarder un petit peu tout ça. Il faut que je gagne. Windmeister m'approuve dans tout ça. Alors, how do you like being on the surface again? Take a look around. Use the right thumbstick to move the camera. Click the right thumbstick to center the camera again. The flashing bar in the upper left corner is your health meter. When your health reaches zero, you fail the mission. Okay. The flashing number in the lower right corner is your energy level, called aura. Each skill requires a certain amount of aura to use. Voilà, donc on a the une aura. Number below your aura number is your level, which reflects the number of aura particles you've picked up. You lose some aura when you use a skill, but it regenerates up to this level over time. Donc forcément, je pense que plus on utilisera de pouvoir, plus ça pompera là-dedans. Some attacks are best avoided by moving out of the way. Click the left thumbstick to jump. Show my st- Alors pour sauter, faut cliquer, ça c'est déjà pas un truc très naturel pour moi. To locate the enemy, pull the right trigger. Ok. You have successfully locked onto the enemy, the Omano. You cannot move the camera while you are locked onto an enemy. To deactivate your... Ok. Bon, c'est simple, hein. Gâchette droite pour loquer, gâchette droite pour déloquer l'ennemi. Donc, les fameuses boules d'énergie, hein, qui vont vous procurer des pouvoirs. Use the left thumbstick to move to the skill capsule. Alors, stand next to a capsule to view a panel of boule de feu. Skill. Ok, ça coûte 6, ça coûte 2. STR, je sais pas ce que c'est. When the information panel appears, press any button, A, B, X or Y. To assign the skill to that button. D'accord. Hop, voilà, donc là. Bullet of fire. Dès que vous êtes en face d'un pouvoir, vous appuyez sur l'une des touches, donc A, B, X et Y, pour l'assigner directement. Attack the Amato with the bullet of fire. You... Bullet of fire is a medium range attack. It's most accurate when the targeting reticle is yellow. Ok, donc je peux shooter quand la cible devient jaune. Là, il est vert. Il est vert, il est jaune. Ah, donc, vu que j'en ai utilisé deux fois, ça coûte deux. J'avais plus qu'un. J'ai voulu appuyer sur A pour sauter. Voilà, not bad. You defeat the enemy their first time out, just as I suspected. A natural. Yeah, mission clear. Voilà, et donc je gagne des crédits. Beaucoup de crédits, 500. You attain a memory box. Ok. Tetsuya. Allez, select the mission. Highway to hell.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Sorino. Deuxième leçon pour moi, avec Meister. Avec Meister. Ok, bon, on a détecté l'ennemi. On va capturer les skills. La blue capsule contient defensive skill. Ok, donc le bleu c'est les défenses, le rouge c'est l'attaque. Laser is a long range attack. It is most accurate when your targeting reticle is green. Ok, donc avec le laser, je peux l'attaquer quand c'est la zone et hop. Et donc c'est. Ah, when you capture a skill to a button that's already has a skill assigned to it, the new skill will override it. D'accord, donc en gros, si je récupère un autre skill et que je rappuie sur X, ça va effacer ce le dernier. Be careful not to override your skills. If you do, you may. Pour être original, le rouge je l'ai mis sur le bleu et le bleu je vais le mettre sur le rouge. Flash barrier is a barrier type defensive skill. If you time it right, it will defend you against attacks. Ok, donc ça ne coûte rien. Vacuum slash. It is most accurate when your targeting reticle is orange. Ok, donc ça c'est de. Du comment, du corps à corps celui-là. Donc laser quand c'est vert. Ouais. Ça a pas l'air. Tiens, prends ça. Ah oui, je peux vraiment que l'attaquer quand c'est vert en fait. Hein. Ok, ah oui, c'est pas à partir du vert, je peux lui tirer dessus, c'est seulement quand c'est vert en fait. Enfin, c'est pas très précis non plus, hein. D'énergie en fait. Ouais, je viens de casser des trucs. Ça y est, il est mort. Donc environnement destructible, ça c'est plutôt intéressant, surtout sur un jeu Xbox, j'imagine un petit peu ce que ça devait être. On commence à être habitué à tout ça, moi je me rappelle. Sur la première Xbox, c'était Otoji. Le 1 et le 2. Ça, c'était du gaming. Ça, c'était vraiment. Tu te faisais plaisir, quoi. Hein. Tu détruisais les décors dans tous les sens. L'histoire était terrible. C'était une boucherie, ça. Allez, c'est parti pour une autre mission. Ah, cette fois j'ai plusieurs choix. Palace, Highway, et bon, on va aller Panorama, hein, comme ça. Close Proximity Battle. Allez, on retourne avec Meister, et puis je pense qu'après ça, on pourra passer. Hein, vous aurez eu un aperçu du jeu et de ce remaster de. Premier remaster de. D'un, non, deuxième, pardon, remaster d'un jeu Xbox, puisqu'avant c'était Voodoo Vince. Et là, celui-là, c'était vraiment l'inconnu, donc du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire un petit. Une petite vidéo pour regarder, découvrir en même temps que vous ce jeu que je ne connaissais pas du tout. Allez, c'est parti. Splashdown. Flash barrière. Et vacuum. Il est là.
que dans les... Merde, non, c'est pas ça. Non, ça fallait pas que je fasse ça. Mais... Et donc, du coup, c'est un peu la course au... C'est un petit peu la course au... Ah non, Vacuum, c'est... Vacuum, c'est uniquement encore... Hop, on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres boules. S'il n'y a pas d'autres trucs d'énergie plus loin. Bon, apparemment, il n'y en a vraiment que ici. Et il faut qu'on apprenne le... Ah tiens, ça a changé là. C'est quoi cette fois? Flash barrière, flash barrière. Allez, Vacuum. Ici. Ah boum, 7. Ça fait plaisir. That's good. Mastering close range attack will help your strategy. Ouais, RE 500, 1500. Ok. Voilà, donc j'étais honnêtement pas très emballé parce que jeu Xbox comme ça, je pense qu'il y avait quand même. Enfin, personnellement, parce que c'est toujours pareil, hein, on a toujours un avis personnel sur la question. J'aurais préféré des remasters de AutoJ par exemple, hein, quitte à aller chercher des jeux Xbox, autant aller chercher des jeux qui me plaisent. J'aurais préféré les deux premiers AutoJ. Autre jeu Xbox que j'aurais beaucoup aimé et qui était que j'aurais beaucoup aimé revoir en remastered, c'est et beaucoup le savent quand ils me suivent sur Game.io, Gameblog, etc. Gameblog peut-être un petit peu moins, mais sur les réseaux sociaux, c'est que bah, c'est Shenmue tout simplement. Et donc avec les petites rumeurs qui débarquent en ce moment grâce à Shenmue 3, du coup je suis impatient de retrouver Shenmue 1. Et puis ben, le 2 qui était aussi sorti sur Xbox, mais à mon avis ce sera plus sur PS4. On verra bien, seul l'avenir nous le dira. Et je pense surtout que l'avenir qui nous le dira, c'est le 3 2017. Voilà, je vous fais des bisous. On se dit à une prochaine vidéo, pas sur Phantom Dust, mais certainement sur un autre jeu. C'était l'occasion de vous présenter celui-ci parce que je ne le connaissais pas du tout et on l'a découvert tous ensemble. Comme moi en fait, je viens de le découvrir. On se retrouvera certainement pour une vidéo sur RIM, peut-être que je ferai d'autres vidéos derrière, puisque grâce à mon nouveau matériel, je galère moins, je n'ai fini les 12 heures à attendre qu'un montage se finisse, donc voilà. Je vous fais des bisous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. Dans la description, vous avez un lien d'affiliation pour Prestart, anciennement abonnement Xbox Live, qui donc fait des cartes d'abonnement Xbox Live à petit prix, donc c'est de l'officiel, ainsi que les cartes, les porte-monnaies, hein, comme sur le PSN, pareil. Donc vous pouvez acheter tout ça gratuitement, tout à un prix, n'est-ce pas? Vous pouvez acheter ça un petit peu moins cher que dans le commerce, et ça reste de l'officiel, donc que ce soit les cartes PSN abonnement ou les porte-monnaies, ou pour le Xbox Live, même principe. Voilà, je vous fais des bisous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.